Et nous revoilà pour une nouvelle activité. Donc, ben, comme d'habitude, vous savez, on fait le rituel de la date et après on fait des petits jeux mathématiques. Hein. Ce sont les petites activités rituelles que l'on fait en classe le matin et l'après-midi. Dans le programme de maternelle, les enfants doivent apprendre la comptine numérique. Alors, pour les moyens, en fin d'année, on attend qu'elles soient connues jusqu'à 20, 19 ou 20. Et pour les grands, donc 19, 20, on va dire que c'est pour tout le monde. C'est, voilà, la base. Et après, bien sûr, ça peut aller bien au-delà. Et pour les grands, ce qui est demandé, c'est jusqu'à 30. Donc, là, on va s'entraîner aujourd'hui jusqu'à 30. On va essayer de mémoriser ça en chanson, puisque souvent c'est beaucoup plus facile. On y va? Donc, vous répétez après moi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 16, 17, 18. 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30. 26, 27, 28, 29, 30. Vous êtes prêts? On refait tout du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Ajouter une petite musicalité permet souvent d'enregistrer un petit peu mieux. Donc des fois, vous enregistrerez mieux même en inventant votre musique à vous, celle qui est la plus entraînante dans votre tête. Alors, petit jeu, on va commencer à compter à partir de 6 et nous allons nous arrêter à 13. D'accord? On y va. 6. 7. Je laisse un petit temps pour que vous puissiez dire vous, hein. Donc, 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12,
13. Oui. On compte à partir de 2 jusqu'à 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, je vais donner un nombre et il va falloir me dire quel est celui qui vient juste après. C'est une activité que vous avez déjà faite. Attention, je suis le 4. Qui vient juste après moi? On regarde, je suis le 4. Qui vient juste après moi? La réponse est le 5. Oui, je suis le 7. Qui vient juste après moi? Réponse 8. Je suis le 2 qui vient juste après moi. Réponse 3. Je suis le 9 qui vient juste après moi. Réponse 10. Alors, hop. J'installe le matériel pour un nouveau jeu. Donc, pour commencer, j'ai écrit au tableau les nombres de 1 à 6. Je les ai rangés dans l'ordre. Comme ça, c'est plus simple à mémoriser pour le premier jeu. Donc, on regarde bien quel nombre j'ai écrit. J'ai écrit 1, 2. Le 3, le 4, le 5 et le 6. Attention, regardez bien, il y en a un qui va disparaître. Donc, concentrez-vous bien. Alors, qui a disparu? Quel nombre a disparu? Le 4. Oui. 1, 2, 3. Il manque le 4. C'est le 4 qui a disparu. Je le remets. Bravo! Attention, encore une fois, il y en a un qui va disparaître. Quel nombre a disparu? Le 6. Oui, c'est le 6 qui a disparu. Attention, cette fois-ci, il y en a deux qui vont disparaître. Regardez bien. Alors, qui a disparu? Le 2 et le 5. Très bien. Alors, on va changer un petit peu. Hop, j'efface. Cette fois, je vais les mélanger. Ils ne vont pas être forcément dans l'ordre. D'accord? Donc, j'écris le... Ce nombre, c'est quoi? 3. J'écris ce nombre, le 5, le 1 et le 2. Donc j'ai le 3, le 5, le 1 et le 2. Donc enregistrez bien. Hein, vous prenez la photo, il faut être concentré. Attention, il y en a un qui va disparaître. Qui a disparu? Le 5. Vous êtes prêts? Qui a disparu? Le 2. Qui a disparu? Il y en a deux qui ont disparu cette fois. Le 3 et le 1. Bravo! Alors, ce jeu, ça s'appelle le jeu de Kim. Voilà. Quand on voit des choses et qu'elles disparaissent, c'est un jeu donc qu'on peut faire avec les lettres, avec les nombres, avec tout un tas de choses hein, pour travailler la mémoire et le nom des choses.
Voilà. Alors, on se retrouve de suite dans une autre vidéo pour une petite situation mathématique que je vous propose de travailler cette semaine. À de suite.